Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tag tout sur mon chien, donc la partie 2 qui sera sur Monsieur Kiko. Bon, on y va. Alors, quel est le prénom de ton chien? Eh bien, il s'appelle Kiko. Pourquoi ce prénom? Eh bien, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma belle-mère, parce qu'en fait Kiko est le chien de ma belle-mère. Et je ne sais pas vraiment la raison, pour être honnête. Quel est son surnom? Ben, on l'appelle tout simplement Kiko, il n'a pas de surnom. Il est en train de s'endormir. Quelle est sa race? Alors Kiko est un Spitz. Est-il l'œuf? Eh bien Kiko n'est pas l'œuf car comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, l'œuf c'est pour la France et en Belgique on n'a pas ça. Mâle ou femelle? Eh bien monsieur est un petit mâle. Donc quel est son caractère? Eh bien Kiko est simplement un gros pantouflard. Il adore dormir et il est quatre fers en l'air. Il adore jouer. Quand il est dehors c'est la grosse fiesta pour lui. Il court dans tout le jardin, il a même tout le quartier. C'est plutôt drôle à voir. À quel âge as-tu commencé son éducation? Alors on a commencé son éducation dès qu'il est arrivé ici, donc c'est-à-dire à ses 3 mois. Donc les difficultés rencontrées avec lui, franchement je vois pas de difficultés. À part le fait qu'il fasse pipi un peu partout, quand ça lui prend, genre au moment des chaleurs et tout ça. Sa pire bêtise, je dirais que c'est toutes les fois... je dirais que c'est toutes les fois où il s'enfouit de la maison, parce que monsieur... à tes souhaits, tu vas éternuer dans toutes mes vidéos. Je dirais que sa pire bêtise c'est toutes les fois où il sort de la maison, donc on le laisse souvent dehors parce qu'il adore ça, et monsieur passe par on ne sait où et s'enfouit. Évidemment on le retrouve direct parce que je surveille assez régulièrement, mais oui, je dirais que c'est ça sa plus grosse bêtise. Ses qualités, eh bien monsieur est un petit chien très gentil, et ça c'est sa plus grosse qualité, on n'a pas grand chose à lui dire, donc voilà. Quels sont ses quads de balade préférés et est-il baladé en laisse ou sans laisse? Eh bien Kiko adore se balader partout, son endroit préféré reste quand même le jardin. Quand on va se promener ou dans la ville, il est en laisse, et quand c'est dans la forêt ou des endroits où on est tout seul, c'est sans laisse. Est-il sociable avec d'autres chiens? Kiko est sociable avec tout le monde, que ce soit les chiens et les humains. Donc même si vous ne le connaissez pas et que vous rentrez dans la maison, je suis sûre que vous pouvez le mettre dans votre sac et partir avec. Il ne dira rien. Quelle activité pratiques-tu avec lui? Et pratiques-tu la compétition? Eh bien non, je ne pratique rien du tout avec lui, ni la compétition, ni d'activité. À quel âge a-t-il commencé l'apprentissage des tours? Eh bien Kiko a commencé l'apprentissage des tours, je dirais vers 3-4 mois. Combien de tours connaît-il? Eh bien il connaît le assis, couché et c'est tout. Par contre, il connaît vraiment les mots et ça Kira aussi. Donc si je lui dis viens on va faire pipi, il connaît le mot pipi. Si je lui dis tu veux un bonbon, donc une friandise, il connaît. Mais voilà, il connaît pas plus de tours que ça. Quel est le tour qui t'a mis le plus de temps à lui apprendre? Franchement, je sais pas trop répondre à cette question. As-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour? Eh bien non. Quelle récompense utilises-tu? Donc j'utilise des friandises. Quel est son jouet préféré? Eh bien son jouet préféré, je dirais que c'est... où est-ce qu'il a mis? Donc son jouet préféré, c'est ce petit doudou là qu'il a reçu pour ses 1 an. Ton meilleur souvenir avec lui? Mon meilleur souvenir avec lui, c'est quand il était vraiment tout petit. J'adorais m'occuper de lui, il était vraiment tout mignon, c'était vraiment un tout petit bébé d'amour. Et j'adorais me réveiller le matin et m'occuper de lui. Comment qualifierais-tu ta relation avec lui? Je sais pas trop dire. Kiko décide un peu. Donc si vous vous levez et qu'il veut vous faire la fête, il vous fera la fête. S'il a pas envie, il la fera pas. Je dirais qu'on a une relation chien-maître basique. Montre-nous une photo de lui, chiot. Eh bien... le voilà, il était vraiment tout mignon avec sa toute petite tête. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à nous rejoindre sur les réseaux. Bisous.